Bonsoir. Bonsoir et merci d'être venus nombreux à cette conversation intitulée « Imaginaires urbanistiques » en référence à l'imaginaire aménageur cité dans le livre d'Éric Verdeil. Nous sommes réunis ce soir pour parler de l'histoire urbaine de Beyrouth avec trois auteurs. Marlène Goraïev à ma droite, architecte et urbaniste. Monsieur Éric Verdeil, spécialiste de géographie urbaine, et Monsieur Youssef Thomé, qui est architecte. Madame Mercedes Vollet est historienne de l'architecture et spécialiste de l'Égypte moderne, directrice du laboratoire InVisu à l'INHA. Elle est chargée ce soir d'animer cette rencontre. Je vous souhaite une très belle soirée. Mercedes, je vous passe la parole. Eh bien, à mon tour de vous dire bonsoir et bienvenue donc à cette conversation consacrée, comme Sandrine vient le dire, plus qu'à l'histoire urbaine, je dirais même peut-être à l'histoire de l'urbanisme beyrouthain, à cette formule d'Éric, imaginaire aménageur, dont la ville a été le réceptacle tout au long du XXe siècle, et on pourrait même dire d'ailleurs le XXIe siècle, on aura l'occasion de le voir. Il me semblait qu'à travers Beyrouth, alors Beyrouth en soi c'est évidemment très intéressant, mais qu'à travers Beyrouth et l'histoire de l'urbanisme beyrouthain, ça permettait d'aborder par un biais relativement inhabituel la question tout à la fois de l'urbanisme colonial et de l'urbanisme post-colonial, et probablement aussi, on verra si les auteurs veulent en dire un mot, les relations éventuellement inattendues qui relient l'un à l'autre, les permanences et les invariances qu'on retrouve d'une certaine manière, puisqu'on sait que l'urbanisme a un temps d'inertie qui est assez long et qui est souvent pas exactement le temps du politique. Donc on aura peut-être le temps de parler de ça. Un biais relativement inhabituel, pourquoi ? Parce que quand on pense urbanisme colonial, on a spontanément en tête l'image d'un espace vierge entièrement façonné par la puissance occupante, le cas échéant par le biais d'expérimentation, c'est la fameuse métaphore du laboratoire colonial, du banc d'essai, et peut-être qu'effectivement à la fois Marlène et Éric voudront en dire quelque chose, mais en tout cas un terrain entièrement sous contrôle, parfaitement dominé, parfaitement ségrégué, et c'est d'ailleurs à propos de Rabat qu'a été forgée la notion d'apartheid urbain qui, vous le savez, a connu une nouvelle carrière très récemment dans l'Hexagone, un article fameux d'une sociologue américaine, Janet Abrolog, et d'ailleurs le texte vient d'être réédité. Et on a pu même parler, y compris de la genèse marocaine de l'urbanisme, donc lien très fort entre urbanisme et colonie. Or, ce que je trouve, ce qui est intéressant, me semble-t-il, avec Beyrouth, c'est qu'on se retrouve dans un tout autre cas de figure. C'est pas l'autre bout du spectre, à l'instar de villes comme Istanbul ou Le Caire, qui ont été engagées dans un processus de modernisation endogène bien avant ou même complètement en dehors de la question coloniale. Donc Beyrouth n'est pas de ce côté-là du spectre, mais ce n'est pas non plus Casablanca ou Alger, je dirais. C'est une situation intermédiaire, un terrain d'accueil dans un contexte déjà largement construit par des formes locales de modernisation et où l'urbanisme doit donc interagir avec un substrat, un socle local très significatif. Et en tout cas, c'est ce que je retiens, moi, déjà aussi des livres donc, dont nous allons parler ce soir. Donc nos échanges seront nourris par trois ouvrages, dont les deux premiers appartiennent au genre de la thèse publiée, l'une soutenue en 2000, l'autre en 2002, tandis que le troisième est un objet très différent sur le plan visuel déjà, qui rassemble des textes d'ordre critique, je dirais plus exactement, et centré sur la ville, alors là, la plus contemporaine. Un mot de présentation des auteurs avant d'évoquer, de dire quelques mots de leur livre et puis de leur poser des questions pour démarrer nos échanges. Donc Marlène, on va commencer chronologiquement. Marlène Roraïeb est architecte urbaniste.
Elle est docteure en urbanisme et aménagement de l'espace. Elle enseigne à l'école spéciale d'architecture où elle est responsable du troisième cycle d'urbanisme qui s'intitule « Mutation urbaine ». Elle est membre aussi, donc elle est impliquée, y compris dans une pratique urbanistique. Elle est membre du Partenariat français pour la ville et les territoires, un dispositif qui est soutenu par le ministère des Affaires étrangères. Et ses travaux portent sur le transfert des savoirs et des savoir-faire en architecture et en urbanisme au XXe siècle et sur les enjeux du développement urbain des villes du Sud. Elle a beaucoup publié, on va pas faire une liste de publications, mais elle s'est beaucoup intéressée à ces thèmes-là, et notamment à l'œuvre de Michel Ecochard. Elle a participé, alors parmi les publications, si je vais en citer une, elle a participé avec Jade Tabet, Éric Verdet et Éric Hubrecht au portrait de ville sur Beyrouth, ce qui me permet de saluer au passage feu la collection Portrait de ville, dont nous sommes désormais tous orphelins pour notre tourisme architectural, et évidemment, on en est très triste. Marlène Rolaïeb, aujourd'hui, va parler du livre qui vient de paraître, Beyrouth sous mandat français, construction d'une ville moderne, qui est donc la version remaniée, peut-être, du travail mené pour un doctorat en urbanisme sous la direction du regretté Stéphane Hierasimos, qui était spécialiste de la ville ottomane tardive. Et dans ce livre, elle examine comment la doctrine urbanistique française a été transposée au Liban avec plus ou moins de facilité et de succès, mais un impact cependant décisif sur le devenir de la ville à travers les réformes structurelles qui en constituaient préalable. Donc c'est le moment, je dirais, de l'urbanisme réglementaire et de l'art urbain. Éric Verdeil, quant à lui, est docteur en géographie, diplômé en urbanisme. Il est chercheur au CNRS dans un laboratoire qui est centré sur les questions de ville et d'environnement. Après avoir longuement arpenté le terrain béroutin, qu'il connaît comme sa poche, il est très impliqué dans l'enseignement. Voilà, les chercheurs CNRS ne font pas que chercher et ne pas trouver. Ils enseignent aussi. Donc Éric intervient dans différents masters en France et à l'étranger. Et il a aussi une activité éditoriale notoire au sein de plusieurs revues. Je renonce aussi à les citer, mais je voudrais signaler quand même que c'est un blogueur émérite qui anime en particulier le carnet de recherche qui s'appelle Rumor, recherche urbaine au Moyen-Orient et ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a annoncé la conversation de ce soir. Oui. Voilà. Je passe sur les centres d'intérêt aussi très variés, sociologie, histoire de l'urbanisme, reconstruction, politique de gestion urbaine, services urbains. Voilà. Son livre « Beyrouth et ses urbanistes », celui qui a le bandeau rouge, « Une ville en plan », 1946-1975, prend en gros les choses là où les a laissées Marlène, je dirais, et poursuit la réflexion sur la mise en œuvre d'un urbanisme prévisionnel dans le contexte d'un jeune État indépendant. Donc dans cette ville en plan à double sens, il nous en parlera, il faut sans doute entendre l'écho de l'avenir en plan de Jean-Pierre Godin, qui a été un des premiers à s'intéresser en fait à ces questions d'histoire de l'urbanisme, de la loi Cornudet et toutes ces affaires-là. Je pense que nous avons tous été nourris à Jean-Pierre Godin. Youssef Thomé est architecte, praticien. Il est le fondateur avec quelques-uns de l'agence YTA à Beyrouth, qu'il définit comme un lieu où il vise à articuler la pratique avec des recherches théoriques et techniques dans le cadre de projets d'envergure urbaine. L'agence est active au Liban, où il a construit notamment ce très beau bâtiment de l'Université Saint-Joseph, que malheureusement je n'ai pas vu parce que je ne suis pas retournée à Beyrouth depuis 2001 ou 2002. Active au Liban, mais aussi à l'étranger, en Roumanie, dans le Golfe, ainsi qu'en France, à Bordeaux, pour le réaménagement d'une grande friche industrielle. Donc l'urbanisme, vous connaissez. Intensive Beyrouth est une sorte de méditation visuelle, je dirais, et critique sur la ville contemporaine, très contemporaine, et on y viendra. Pour garder donc le sens de la chronologie, je vais peut-être commencer par poser une question à Marlène, ensuite à Éric, et ensuite à Youssef Thomé, et puis comme ça
nos échanges se développeront. Donc Marlène, un peu pour, non pas pour décrire le contenu du livre, mais peut-être pour nous inviter à nous y plonger, je dirais, au fond, qu'est-ce que tu retiens de cette plongée dans les archives, quels enseignements tu en as tirés, quelles idées éventuellement ont été révisées? Est-ce que c'est le manque d'ambition urbanistique de la France coloniale dont tu parles? Est-ce que c'est la difficulté à concrétiser un dessin comme ça, étranger, dans une terre différente? Est-ce que c'est la force du substrat local? Je me suis posé la question. Est-ce que ce sont les réformes structurelles du régime foncier en particulier? Voilà. Est-ce que c'est la technique de la société foncière, hein, ou plus largement de la concession de services publics? Qu'est-ce que finalement tu as appris en faisant ce Beyrouth sous mandat français? Merci déjà pour cette présentation. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui a été complètement fondé sur les archives. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour les archives françaises. L'idée était d'aborder Beyrouth comme terrain d'accueil de l'urbanisme français et de la modernité. Une modernité donc qui, comme tu l'as dit, a commencé avec l'Empire ottoman. Donc quand les Français arrivent à Beyrouth, c'est un processus de modernisation en cours qu'ils prennent. Et pour revenir plus précisément à la question des archives, c'était une grande aventure, parce que précisément les archives ne se sont pas forcément intéressées à l'urbanisme en tant que tel. Donc il a fallu reconstituer l'histoire de l'approche de ces questions-là à travers l'exploitation des archives. Donc ça, c'était un travail assez intéressant. De toute façon, j'ai aussi classé les archives des Cochards. Le travail dans des fonds d'archives est toujours très intéressant, parce qu'on part avec une thèse et on découvre la petite histoire. Donc déjà, c'est très intéressant parce qu'on est avec une grande idée de ce qui va se faire, etc. Puis on se rend compte que la petite histoire, des fois, vient nourrir ou contredire justement cette approche que l'on avait d'une part. Donc il y a la petite histoire. Et d'autre part, il y a la découverte de ce qu'on ne pensait pas. Enfin, il y a toujours une découverte quand on travaille sur les archives. Et là, en l'occurrence, par exemple, je n'avais je n'avais pas mis en perspective le contexte de la Deuxième Guerre mondiale quand j'ai commencé à travailler sur les archives. Et c'est vraiment en reconstituant pas à pas, en ne comprenant pas pourquoi les militaires étaient impliqués ou convoqués, Michel Écochard par exemple, pour le plan, ou pourquoi il y avait des réunions qui étaient vraiment considérées comme étant très secrètes, etc., que j'ai compris que aussi le plan de Michel Écochard était impliqué dans un contexte géopolitique de guerre. Ça, c'est par exemple quelque chose qui n'était pas du tout a priori, auquel je n'avais a priori pas du tout penser. Donc ça, c'est pour le premier aspect de la question. Je ne sais pas s'il y en avait un autre. Le legs ottoman, est-ce que c'est quelque chose dont tu étais consciente déjà, ou est-ce que tu l'as découvert en cours de route? Alors non, le legs ottoman, c'était la démarche de départ. Parce que comme tu l'as signalé, j'ai travaillé avec Stéphane Hierasimos, qui déjà avait amorcé tout ce travail sur la modernité ottomane. Et donc, il s'agissait justement de voir comment comment l'administration française a pris en compte ou pas, ou a su gérer ce legs ottoman. Donc, ce projet de modernisation de Beyrouth, parce que comme vous le savez, comme maintenant c'est devenu très courant, le centre de Beyrouth a été détruit par les Ottomans. C'est eux qui, les premiers, ont cherché à moderniser Beyrouth. Cette idée qui est devenue très courante maintenant ne l'était absolument pas il y a 20 ans. Oui. Moi, je me souviens d'une conférence, j'aime beaucoup raconter cette histoire, excusez-moi, mais je me souviens d'une conférence il y a 20 ans à l'ENSA de Belleville, où j'avais dit que, en fait, la modernité de Beyrouth était une modernité ottomane avant d'être française,
Et j'ai des personnes dans la salle qui se sont levées en me disant que c'était absurde et inacceptable de dire une chose pareille. Il ne marche pas. Pas bien. Ah bon, je suis désolée. Oui, bien. Donc ce qui veut dire, je poursuis juste cette idée-là, puis je vais laisser la parole. Je poursuis juste. Donc là, en l'occurrence, la différence avec d'autres situations coloniales, c'est que l'administration du mandat va se retrouver avec des réformes déjà entreprises. Donc elle n'est pas directement confrontée à une situation de ville ex nihilo, de création ex nihilo. Exactement. Oui. Exactement. C'est ça qui est justement intéressant. Absolument. Absolument. C'est déjà une réforme engagée, et puis c'est des manières de faire. Tu parles de la pétition, par exemple. Voilà, donc c'est d'une certaine manière des dispositifs ottomans qui continuent à s'appliquer. Absolument. Et avec lesquels les Français, les pauvres, je ne sais pas comment ils faisaient, mais qui devaient un peu les... Voilà. De toute façon, ils ont pris ce processus en cours. Ils l'ont géré à leur manière, mais il est très clair que le processus de modernisation entamé par les Ottomans a été pris en tant que tel et poursuivi à leur manière. Encore une fois, nous aurons l'occasion d'en reparler par l'administration du mandat. Je vais peut-être m'arrêter là, laisser la parole... Alors Eric, donc toi d'une certaine manière tu fais la suite, c'est-à-dire comment un État indépendant finalement construit sa propre politique urbanistique en gérant ou pas l'héritage, mais tu reviens aussi un peu en arrière dans ton livre, et donc est-ce que tu peux développer justement cette idée d'imaginaire aménageur, parce qu'il me semble que une des choses qui ressort de vos deux livres, et d'ailleurs des trois livres, c'est finalement la difficulté des choses à s'inscrire dans le territoire. Et du coup, on se pose la question de quelle est la fonction, au fond, de l'urbanisme. Est-ce que c'est, tu dis à un moment donné, c'est un instrument d'affirmation collective. Donc finalement, les enjeux de l'urbanisme ne sont pas uniquement territoriaux, je dirais. Donc est-ce que peut-être tu peux développer peut-être un peu ça et réagir par rapport à ça? Oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce livre a une histoire un peu particulière, et le produit qu'on voit aujourd'hui, qui a été publié, Une ville en plan, donc Beyrouth et ses urbanistes, Une ville en plan, 1946-1975, c'est en quelque sorte un déchet de la production, d'une certaine manière. Parce que moi, j'étais parti à Beyrouth, je me suis retrouvé à Beyrouth en 1996, à l'ALBA, l'Académie libanaise des Beaux-Arts, qui venait d'ouvrir un institut d'urbanisme. Donc tout le monde était pris dans les enjeux de la reconstruction, il y avait énormément de débats, tout le monde se mettait sur la gueule, ça criait. Moi, j'ai assisté à une conférence où le type de Solidaire me téléphonait en me disant « S'il y a celui-là qui vient, moi, je viens pas, alors attention, vous n'allez pas me coincer comme ça. » Moi, j'étais le petit jeune français qui était là et qui découvrait un peu, qui essuyait les plâtres. Et alors, en essayant de comprendre tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait une sorte de, dans tous ces débats, un vide qui était une sorte de vide de l'histoire. C'était un vide paradoxal. C'est-à-dire que quand on regardait Beyrouth, on voyait peu les traces d'une modernisation, justement, de l'époque de Chehab ou de l'époque des Cochards, etc. Et en même temps, ces noms-là étaient tout le temps mis en avant. Il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'à Beyrouth, le plan Cochard, justement, c'est un imaginaire collectif. Tous les grands architectes et les grands urbanistes de Beyrouth qui contestaient le plan de Solidaire disaient « Mais non, mais il fallait faire comme Cochard, Cochard avait commencé, puis on n'a pas pu le réaliser, etc. » Donc en fait, le plan Cochard, quelque part, c'était un discours, c'était une représentation, mais en fait, d'abord, c'était très difficile de retrouver simplement les documents graphiques, en fait, c'est justement un vide urbanistique où, quelque part, c'est la ville en plan. D'où le jeu de mots, hein, parce que c'est vrai que c'est Jean-Pierre Godin, mais c'est aussi la manière de un petit jeu de mots sur cette ville qui n'a pas été réalisée. Donc, moi, dans ma thèse, j'ai voulu mettre en relation cette ville en chantier que j'avais sous les yeux, avec les plans de Solidaire, les controverses, Edé, Corme, Hassem Salam, etc. Et puis, les travaux qui étaient menés, les espèces d'utopies développées par Cochard, et puis surtout
tout un tas d'autres architectes libanais, parce que Kochar, en fait, lui, il venait trois semaines, hop, il repartait, bon, et il avait des gens sur place qui travaillaient, puis il avait beaucoup de collaborateurs, de collègues libanais, avec qui, des fois, il se disputait aussi, d'ailleurs. Et finalement, c'est un petit peu ce Beyrouth-là et ces projets-là que j'ai essayé de remettre au jour. Et ensuite, la démarche de ma thèse, mais qui n'est plus du tout présente dans ce livre-là, il faudrait que ce soit un autre livre, en fait, c'était de montrer les filiations, les continuités, en fait, justement, à travers la guerre, à travers toutes ces personnes, d'une mémoire architecturale, de quelque part d'une sorte d'utopie, une sorte de république libanaise des ingénieurs, parce que donc tous ces ingénieurs, les Henri Hédé, les Hassem Salam, les Pierre Khoury, finalement ils détestaient cette classe politique qui les avait amenés au conflit, et eux ils avaient d'immenses projets, de grands projets de papier qui en fait n'ont pas été réalisés, quoi. Et c'est un petit peu cette espèce d'utopie que moi j'ai essayé de reconstruire, et en même temps d'en souligner les limites, parce que ils étaient eux-mêmes des modernistes et qui n'avaient pas peur de faire des ruines, qui n'auraient pas eu peur de faire des ruines pour construire leur projet. Donc le rapport aux ruines, c'est pas simplement la guerre, mais les architectes eux-mêmes sont bien souvent des producteurs de ruines, quoi. Je pense que ça intéressera peut-être Youssef Sotomé, mais... Une question à Youssef Tomé, peut-être avant de revenir à des questions plus générales ou plus transversales. En fait, je m'étais dit en lisant Intensive Beyrouth et en préparant cette conversation qu'on aurait tout aussi bien pu l'intituler « Ordre et désordre urbain ». Ce qui m'a frappé dans Intensive Beyrouth, en dehors de cette qualité d'essai visuel, c'est qu'au fond, vous avez des mots assez durs sur la jungle urbaine, sur l'impossible domestication de la jungle urbaine, sur la question de l'espace partagé, de l'espace public. Il y a un de vos auteurs qui dit « La mémoire est une idiotie, elle est sélective et subjective ». J'ai relevé comme ça un certain nombre de formules laideur agissante plutôt qu'esthétique triomphante, la contradiction comme fondement l'identité libanaise, l'urbanisme aveugle, l'urbanisme sauvage. Donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que ce regard que vous portez sur Beyrouth aujourd'hui, en quoi il est éventuellement un regard aussi sur son passé? Sachant qu'il y a eu tout ce débat sur la reconstruction du quartier de l'Étoile, qui réactivait des blocages, des résistances plus anciennes, assez violentes, et en même temps qui réactivait un modèle libéral, la société foncière solidaire, la confiscation des terrains, comment est-ce que vous voyez Beyrouth aujourd'hui par rapport à son histoire? Bonjour. Donc, en fait, moi, quand je suis venu, je suis rentré au Liban en 2008, j'ai essayé de comprendre le Liban à travers l'urbain. En 2008 hein. Ouais. Donc, j'avais quitté en 88, et donc je suis rentré en 2008, et donc c'était une façon pour moi de comprendre, parce que c'était plus un travail pour que je puisse construire. Donc il fallait que je comprenne comment fonctionne la société libanaise. Et je me suis dit peut-être qu'à travers l'urbain, je peux comprendre, et que comme ça, ça me permet de travailler, de m'installer, de travailler sur le territoire et de prendre des positions, de questionner tout ça. Donc j'ai demandé à Karine Dana, c'est elle qui a travaillé sur le livre avec moi, et qui me questionnait, qui essayait de chercher, au fond, qu'est-ce que je voulais et quel était mon regard sur Beyrouth. Et en fait, je l'ai abordé comme on aborde l'urbain ici, à Beyrouth, plutôt. C'est-à-dire que d'une façon un peu par à-coup, par sentiment, par intérêt, par contradiction, par contradiction, c'est-à-dire que j'ai essayé vraiment de Ce livre, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est un début, mais c'est ce que j'ai ressenti de Beyrouth au début. C'est-à-dire que je voulais qu'il soit ouvert. C'est pas un livre d'histoire, il n'est pas sur l'histoire d'urbanisme de Beyrouth, c'est vraiment
j'ai essayé de comprendre comment fonctionne la, la société libanaise et de mettre des acteurs qui pensent différemment même de moi, qui ont un regard complètement différent sur ce que je pense de Beyrouth, parce que c'est ça Beyrouth. Et pour moi, c'est-à-dire que l'urbanisme, il reflète une société. Pour une fois, on n'a plus, si vous voulez, on n'a plus une vision qui arrive comme ça de l'étranger en disant, voilà, c'est ça l'urbanisme, c'est comme ça qu'il faut aborder la ville. Mais il faut l'apprendre de l'intérieur, avec ses acteurs, avec les promoteurs, qui, eux, font maintenant la ville, parce qu'on n'a pas de président depuis un an, personne ne se rend compte. Donc, si vous voulez, c'est ça Beyrouth actuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des énergies individuelles et qui font la ville. C'est intéressant, par exemple, à l'intérieur, il y a, à chaque fois qu'il y a un président, bon, il arrange une route qui arrive à sa maison d'été, et ça devient un axe central urbain autour duquel il y a des choses qui se passent. Ben ça, personne dans aucun pays au monde on a ça, quoi. C'est-à-dire l'autoroute, c'est pareil. C'est-à-dire que si on voit maintenant ce qui se passe sur la corniche, c'est des promoteurs privés qui sont en lien direct avec des politiques, des hauts politiques bien placés, qui construisent des immeubles et qui, pour moi, ça, c'est les ruines. La mer devient ruine à Beyrouth, la montagne devient ruine. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça. C'est vraiment un livre de questionnement. Donc, si vous voulez, après, on abordera des... Mais par rapport à l'histoire, moi, je ne connais pas très bien l'histoire de l'urbanisme à Beyrouth, et ça me fait plaisir de... Mais je voulais l'aborder aussi avec une fraîcheur. C'est comme ça que j'ai abordé Bordeaux. Quand j'ai travaillé sur Bordeaux, je n'ai pas cherché non plus à comprendre. J'ai essayé de sentir la ville. Quels sont maintenant les mécanismes actuels? Quelle est l'économie maintenant? Quel rôle a l'économie maintenant? Quel rôle a la société maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'on est dans un changement énorme en ce moment. Il est partout et il n'y a plus de vision, il n'y a plus de vérité en tout cas. Il y a des petites vérités sur chaque territoire, sur chaque personne. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà. En même temps, quand par exemple vous parlez du rejet communautaire de l'État-nation apporté par le colonialisme ou de l'absence d'espace public d'une certaine manière, l'espace public, c'est ce que à la fois les Français et les chihabistes ont essayé d'imposer. Donc voilà, que dire de cet espace public en dehors du fait qu'effectivement il y a 17 confessions et que... Bon, voilà. L'espace public, si vous voulez, il représente la société. C'est-à-dire que l'espace public, c'est une représentation de la société. Donc s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de dialogue dans cette société, s'il n'y a pas un projet, pourquoi vous voulez qu'il y ait un espace public? C'est-à-dire que chacun, l'espace public devient un résidu. C'est-à-dire ce qu'il y a entre les immeubles. Ce qui reste, ça devient l'espace public. Mais ce n'est pas un projet, je veux dire, chacun a son propre projet, comme vous avez dit. C'est-à-dire que c'est des communautés, chacun a sa propre vision des choses, ce qui fait qu'il n'y a pas d'espace public dans le sens où c'est un espace public, c'est-à-dire, mais il appartient aux Libanais. C'est le débordement, l'espace public. C'est l'espace de négociation qui est l'espace public. C'est ça qui est intéressant au Liban. C'est-à-dire que, par exemple, la limite n'est jamais claire. Et c'est ça, pour moi, l'espace public. Et on négocie, on discute et on arrive à quelque chose. Mais il n'y a pas de vision. Pour le moment, il n'y a pas de vision. C'est-à-dire... Alors, peut-être pour revenir aux deux autres livres, est-ce que, Marlène, tu vois aussi la ville comme un espace de négociation ? Il est certain que la ville est un espace de négociation et il est certain que l'urbanisme, in fine, c'est un projet social qui nécessite une cohérence, hein, je veux dire, qui nécessite une cohésion, plus qu'une cohérence d'ailleurs, une cohésion politique quelque part. Donc tant qu'il n'y a pas cette adhésion à ce projet, il ne peut pas être pratiqué en tant que tel et vécu en tant que tel. Je veux dire, ça ne s'impose pas par le haut.
Donc la période de l'urbanisme de plan a échoué dans plusieurs villes d'ailleurs, pas seulement parce qu'elle était en il n'y avait pas une adéquation avec les modes de vie, avec la société et aussi avec le modèle politique, comme il vient d'être souligné. Je vais juste profiter pour rebondir quelque peu sur cette notion d'espace public qui, en fait, a été introduite avec, bien évidemment, le mandat français, mais qui a toujours existé sous d'autres formes avant. Donc, si elle est en échec maintenant, c'est peut-être elle est plus en échec par rapport à la construction de l'État-nation qui est en cours depuis un siècle maintenant, que parce que les modes de vie ne sont pas... l'espace public a toujours été en négociation, de toute façon, et il y avait même des formules, il y avait un caddie pour dire qui justement empiétait plus sur l'espace de l'autre, mais l'appropriation sociale de l'espace public a toujours eu lieu. Oui. Mais elle est en faillite oui, maintenant pour... dans le projet actuel de oui. l'urbanisme. De... Oui, mais pour moi, l'espace public, c'est le lien entre l'individu et une vision de la société. Il y a l'individu, mais le lien ne peut pas exister s'il n'y a pas de vision de la société. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'espace public. C'est par rapport à ce lien qui existe entre quelque chose. Après, on peut l'appeler, c'est-à-dire que ce qu'on veut, mais pour moi, par rapport au terme de l'espace public, comme on entend en France, c'est-à-dire que pour moi, le lien vraiment entre l'individu, en tout cas dans les villes traditionnelles, entre l'individu et la société, une vision de la société, une vision, je veux dire, politique de la société. Le géographe veut dire quelque chose, je crois, sur l'espace public. En fait, ce qui m'interpelle, c'est la mise en quelque sorte en face à face des puissances communautaires qui, évidemment, au Liban, sont politiquement extrêmement puissantes, et de l'impuissance de l'urbanisme. Et un des éléments sur lesquels j'ai essayé de réfléchir dans mon travail, c'est justement de savoir, dans un premier temps, et notamment dans cette période des années 50-60 de l'État indépendant, on voit bien que l'État, avec ses conseillers étrangers comme Ecochard, etc., mais aussi ses ingénieurs libanais, cherche à... utiliser l'urbanisme pour construire un nouvel État. Par exemple, un des projets les plus symboliques de l'époque, c'est l'idée de construire une cité des ministères à Bir Hassan, et puis même au-delà, dans une sorte de ville nouvelle, dans ce qu'ils appelaient à l'époque les Sables. Et on connaît que le résultat de cette histoire, c'est-à-dire qu'une partie finalement de cette zone, finalement pendant la guerre, était restée non urbanisée parce qu'il y avait des problèmes de remembrement, c'était très compliqué, ils n'y arrivaient pas. Il y avait des terrains qui étaient des terrains communaux là et avec des dunes et tout ça, et donc ils n'arrivaient pas à, du point de vue juridique, à transférer la propriété, etc. Et donc ce sont ces terrains qui étaient libres du coup, sur lesquels se sont installés les réfugiés qui sont arrivés pendant la guerre. Et donc d'une certaine manière, il y a eu à ce moment-là, on va dire, l'urbanisation communautaire produite par la guerre, puisque c'est ça, notamment les chiites qui sont arrivés dans cette région-là, il y a eu une sorte de mise en échec de l'urbanisme officiel par les agissements des communautés. Alors ils agissaient d'ailleurs pas toujours en tant que communauté, c'était juste des pauvres types qui étaient relocalisés d'un endroit à l'autre, ballottés et tout, puis ils s'incrustaient à un moment donné là où ils pouvaient, ils étaient un peu aidés par des milices, mais aussi simplement par des mafias. C'était une tradition qui existait déjà, d'ailleurs il y avait déjà des tas d'endroits où il y avait des quartiers informels avant la guerre. Voilà. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me demander, mais finalement, est-ce que tous ces pouvoirs miliciens qui se sont construits pendant la guerre et qui ensuite, on le sait, ont été institutionnalisés au Liban, est-ce qu'eux, ils font de l'urbanisme? Est-ce qu'ils s'accaparent les outils de l'urbanisme, l'expropriation, non pas pour construire un projet d'État, une cité des ministères ou un truc comme ça, mais des projets individuels? Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, pendant la guerre,
du Liban, c'est-à-dire la guerre des 75-90, et ben effectivement, il y a eu un peu des amorces comme ça, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Il y a eu aussi, de l'autre côté, tous les remblais qui ont été construits par Amin Gemayel et qui étaient clairement aussi des manières de prévoir une sorte de centralité de substitution pour Beyrouth-Est à la place du centre-ville. Donc, enfin, on voit bien que se répondaient des projets miliciens ou, disons, phalangistes pour Beyrouth-Est et, de l'autre côté, des projets chiites pour la banlieue sud. Puis, peut-être, on peut dire d'une certaine manière que certains projets post-guerre de Hariri ont été des projets, quelque part, je suis provocateur, d'un Beyrouth sunnite qui s'est notamment localisé dans l'espace central. Et du coup, on a cette espèce de retournement, enfin, en tout cas, moi, je propose cette hypothèse de l'urbanisme qui passe d'un outil de construction de l'État, finalement, à un outil de construction et de territorialisation des communautés. Et ce qui s'est passé en 2006, quand le Hezbollah a reconstruit sa banlieue d'Ahyé, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'urbanisme communautaire, là, dans toute son essence. Oui, mais qui va à Ahyé à part le Hezbollah? Mais justement... C'est-à-dire, il n'est pas représentatif du Liban. Le Liban, ce n'est pas que le Hezbollah. Donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a une ville ségrégée. Bah, encore plus ségrégée, peut-être. On a 40 pays dans un pays, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, moi, c'est un livre positif. Je sais, c'est-à-dire, vous avez dit tout ce qui est d'une façon, c'est-à-dire, tout ça, pour moi, c'est positif. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Suisse en ce moment? Rien. Chez nous, il y a des choses. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il se passe des choses chez nous. Et c'est intéressant, c'est intense. Voilà. C'est-à-dire que et ça bouge. Et en fait, c'est ça qui c'est ça peut-être l'urbanisme maintenant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vision et un imprévu, et on s'accommode, et puis il y a une vision, et puis peut-être... je pense que pour faire de l'urbanisme, il faut se mettre d'accord sur les invariants. C'est-à-dire que, à mon avis, et les invariants peuvent dépendre de ce qui nous les relie, nous, les Libanais. Qu'est-ce qui nous relie? Alors ben, moi, à part la mer et la montagne, et la guerre... Mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que, je veux dire, où on est d'accord, qu'il y a la mer, qu'il y a la montagne, c'est des choses qui sont là. Le climat qui est beau. Après, pourquoi chercher à être pareil? C'est-à-dire, pourquoi ne pas accepter l'autre qui soit différent et ne pas avoir peur de l'autre et dire, voilà, c'est ça la négociation. C'est pour ça qu'on a envie de... C'est comme ça qu'on est aux aguets toujours, c'est pour ça qu'on évolue, c'est pour ça qu'on se remet en question. Mais je pense que c'est ça l'urbanisme maintenant. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le perçois. C'est pour ça qu'on a été pris à Bordeaux, parce qu'il y a ce côté imprévu qu'on a voulu injecter maintenant ici en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout planifier, on ne peut pas être sûr de tout. Il y a des choses, il faut une vision, et il y a des choses qui peuvent se passer. Et il ne faut pas les prendre comme des accidents, mais plutôt comme des contraintes positives. En tout cas, ça, c'est mon avis. Donc, au fond, l'internationalisation de l'inattendu libanais ou de la contradiction libanaise, vous dites la contradiction comme fondement de l'identité libanaise. Donc, finalement, ça, c'est quelque chose qui pourrait s'internationaliser. Mais je ne sais pas. Ça, en tout cas... Non, vous parlez de Bordeaux, c'est pour ça. C'était la référence à Bordeaux. Non, à Bordeaux, c'est l'idée de l'imprévu. C'est l'idée de dire, voilà, c'est-à-dire on ne peut plus dessiner une ville comme on l'a dessinée, comme Ecochard pensait que ça va être comme ça. On ne peut plus. C'est-à-dire que, parce que ça ne se fait plus comme ça, le temps n'est plus pareil, et puis l'économie change, tout change. La société évolue beaucoup plus rapidement. Et donc, à mon avis, je ne sais pas, vous avez des historiens...
qui savent mieux que moi. Non, mais on peut donner un élément de réponse, y compris pour l'urbanisme, effectivement, en France ou en Europe, où les interventions sont souvent minimalistes. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de reconstruire, je ne sais pas quoi, de tout planifier, mais justement de faire des petites interventions discrètes qui, du coup, ont un effet d'entrée. Voilà, enfin, je ne sais pas, peut-être Marlène, puisque tu enseignes ça, peut-être tu veux dire quelque chose là-dessus. Il est bien évident. Dans le cadre de la pédagogie, par rapport à la pédagogie et par rapport à ce que tu sais de Beyrouth. Il est bien évident que ce soit à Beyrouth ou ailleurs, d'ailleurs. C'est pas, la question ne se restreint pas à l'espace beyroutin, mais il est bien évident que les modes d'intervention, les paradigmes sont en mutation, parce que les villes aussi le sont, et la société ici et ailleurs l'est. Maintenant, il est intéressant d'avoir une importation dans l'autre sens, c'est-à-dire il est intéressant dans ce qui vient d'être dit, qu'on est en train d'importer peut-être de nouveaux paradigmes en Occident, qu'on est dans ce sens-là. Dans 50 ans, on parlera du modèle libanais pour l'aménagement de Bordeaux. Non, mais libanais ou ailleurs, c'est vrai que aussi l'acupuncture urbaine qui a été mise en œuvre au Brésil nous sert aussi c'est une leçon d'urbanisme pour nous. Je veux dire, on est très certainement dans cette nouvelle approche. L'imprévu laisse la place à l'homme, en fait. C'est tout. C'est que aux habitants, c'est ça ce que je veux dire. C'est que quand on planifie une ville, comme avant, on ne laissait peut-être pas le choix aux habitants. Et donc, de plus en plus, on se rend compte que quand même, il y a des gens qui habitent. Et ce n'est pas juste des promoteurs, ce n'est pas juste des entreprises, ce n'est pas juste l'économie qui fait une ville. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il a dit Eric, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens, à chaque fois, ils résistent. Et c'est eux qui font la ville. Quoi qu'on en dise, c'est pour ça qu'il y a des villes nouvelles, il n'y a personne, parce qu'on a pensé que ça va être comme ça, mais on n'a pas fait attention à ce que... Et donc quand je dis l'imprévu, c'est les gens. C'est-à-dire que laisser la place à l'autre de l'habiter, d'évoluer, de vivre dans cette ville, parce que c'est ça qui fait les villes, c'est les habitants aussi. C'est pas juste un architecte ou un urbaniste qui a des bonnes idées, quoi. C'est plus le deus ex machina, donc... Oui, alors moi j'aimerais revenir à un point un petit peu antérieur de notre conversation qui m'a frappé, l'idée que effectivement ce que les Libanais ont en commun, c'est la mer et la montagne. Et quand on et la guerre, absolument. Peut-être la guerre. Non, Youssef l'a dit, la guerre aussi. Voilà. La mer, la montagne, la guerre. Voilà. Et la labnée. Et alors moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand on regarde l'histoire de l'urbanisme, effectivement, les urbanistes et les promoteurs d'ailleurs se sont toujours focalisés sur ces espaces. Donc la montagne a été un espace justement de développement, d'enrichissement, de plus-value foncière. Donc la ville s'est beaucoup développée. On a parlé des routes tout à l'heure. Hein. Bon, les routes du Métène, par exemple, aujourd'hui, qui effectivement conduisent à une densification extraordinaire de Bloemanin ou des régions comme ça. Bon, et de l'autre côté, si on regarde la mer est aussi un espace, notamment le littoral de Beyrouth et la Corniche, et le dernier en date d'Allier. Un espace où les derniers espaces où les habitants pouvaient un petit peu se balader sont en train d'être complètement privatisés et construits pour des hôtels ou pour des resorts. Enfin, je ne sais pas encore exactement, c'est Rem Koolhaas qui va nous dire à la fin le fait de contexte, et voilà ce que je mets. et donc, on va voir. Mais ce qui est sans doute à attendre, c'est que cette maîtrise urbanistique de la mer va être une déprivation d'une certaine manière pour l'espace public. Et moi, ce qui me frappe, c'est que justement dans cette histoire de l'urbanisme de Beyrouth, dans les projets réussis ou les projets ratés, et j'en donne toute une série à un moment donné dans un des chapitres, les urbanistes n'ont jamais cessé d'imaginer des manières de s'étendre sur la mer, de construire des tas d'instruments pour gagner de l'argent, en fait, en remblayant, en faisant des contrats avec l'État, etc. Certains de ces projets ont complètement foiré. Je cite un projet de Pierre Roury, là, qui est
qui projetait de faire Harlem Latel Baïda, une grande île qui a une forme de parallépipède très, très bizarre. Pierre Khoury avait ce projet-là à un moment donné. Et il y a eu d'autres projets à d'autres endroits, au Méthane aussi, de Ramblais, etc. Donc c'est une constante. Et du coup, ça me conduit à souligner que tout cet intérêt pour l'espace naturel, la mer, la montagne, dans l'esprit, dans l'imaginaire des urbanistes libanais, se fait au détriment d'une autre dimension qui est précisément de la question d'un urbanisme pour tous. Et donc, c'est, à mon avis, quelque chose qui est vraiment curieux dans cette histoire, alors que ce n'est pas le cas en France, par exemple. En France, il y a eu, au contraire, toute une tradition, bon, qui a pu donner des échecs aussi, mais de la cité-jardin au grand ensemble, l'idée d'une pensée sociale de l'urbanisme. Or, ça, c'est quelque chose qui est, et je pense que c'est une signature propre à l'urbanisme béroutin, c'est quelque chose que je trouve très peu. Et même le projet de Hezbollah, dont je parlais tout à l'heure à Dahié, ce n'est pas un projet social, c'est un projet, on prend les mêmes, on les remet au même endroit, et il se trouve que ce n'est justement pas les plus pauvres de la banlieue sud. Sur l'urbanisme pour tous. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'État. Donc, quand il n'y a pas d'État, qui va défendre l'intérêt de tout le monde? C'est-à-dire, à part l'État, donc c'est évident. C'est-à-dire, c'est évident que quand un promoteur il peut s'acheter un bout de terrain, il va l'acheter. Qui va lui dire, par exemple, là, à Beyrouth, on est pour les tours, contre les tours. Mais c'est pas un sujet, ça. Parce que les tours, ça dépend où, ça dépend pourquoi. Si on met des tours parce qu'il faut densifier et calmer la montagne et ne pas construire au bord de la mer, moi je suis pour densifier et pour faire des tours. C'est pas, les tours ne sont, mais quand on augmente un zoning et on dit voilà, on peut avoir deux fois plus de mètres carrés dans un endroit, par exemple. D'un coup, vous voulez que les gens qui, à côté d'eux, ils ont une tour, ils résistent avec une maison où ils peuvent avoir une tour. Donc, ici, l'État protège ça. Elle lui donne de l'argent pour qu'il garde sa maison. Donc, au Liban, il n'y a pas ça. Donc, c'est une autre façon de voir. C'est vraiment que des interventions individuelles ou communautaires qui répondent à des problématiques de chefs de clan ou chefs de milice. Donc, mais entre ça, c'est intéressant, en fait. C'est non, mais c'est ça. C'est l'interstice, donc, finalement. Mais oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas pareil, et puis on fait avec, et puis... C'est dans cet espace qu'on essaye d'exister et puis qu'on change, qu'on évolue, qu'on essaye de voir l'autre différemment et de dire voilà, ça, il faut garder. Par exemple, nous, l'USJ, vous parliez de le bâtiment du campus qu'on a fait avec 109 architectes. Pour moi, c'était le but, c'était de dire on a pris une masse et on l'a sculptée pour dire où ces gens vont se rencontrer. C'est-à-dire que c'est un projet juste de dire. Ce qui est intéressant, ce qu'il y a entre, c'est le projet en commun, et non pas, par exemple, l'économie ou le droit ou la pharmacie, chacun lui montrer où il est ou une identité, mais où ces gens vont se rencontrer dans cette université, comment ça va se passer. Et donc, c'est vraiment un travail de rencontre et d'échange. Et c'est que comme ça, c'est-à-dire que c'est sur des initiatives privées qu'on peut dire, tiens... on peut faire des choses. Et quel bilan vous en tirez finalement? Est-ce que les gens se rencontrent effectivement de... Ben oui, les gens sont sur les escaliers. Les gens, il y a, c'est un projet où il y a 60 000 mètres carrés dans un terrain de 6 000 mètres. C'est-à-dire c'est très très dense. Et arriver à travailler sur l'idée d'un espace public à l'intérieur, d'un projet à l'intérieur de Beyrouth, c'était ça. On a retrouvé les 7 000 mètres carrés puisque c'est une promenade où on continue, on arrive sur les toits. Et donc c'est ça l'idée, c'est que après c'est comme on le ressent, c'est-à-dire que pour moi cet espace de rencontre était intéressant, on essaye de le faire dans un projet. Après dans d'autres, par exemple si on veut parler de la montagne ou de Beyrouth, on a fait une maison qui est dans la montagne, vraiment qui répond au questionnement de densité. Quand la personne l'a vue,
Il a dit, mais elle est où ma maison? Je lui ai dit, ta maison, elle est c'est Beyrouth. Parce qu'en fait, on ne la voit pas. Et donc, c'est à chaque fois, on pose des questions, on essaye de poser des questions. Et dès que vous essayez de généraliser à Beyrouth, ça tombe à l'eau. Il faut faire ça et influencer comme ça des étudiants, des architectes, et que c'est que comme ça que ça transmet. C'est d'une façon un peu, c'est un peu à l'image du livre, c'est d'une façon informelle, mais de bouche à oreille et d'influence comme ça. Donc finalement, le terme d'imaginaire marche bien pour vous, d'imagination et d'imaginaire. En tout cas, il n'y a que ça. Déjà la mer... La mer, vous demandez à tous les gens à Beyrouth, tout le monde se sent, alors qu'il y a la guerre, et puis ils sont à nos portes, Daesh et tous ces barbares là. En fait, personne ne se sent menacé, hein. C'est ça qui est drôle. C'est que tout le monde vit, vous allez à Beyrouth, c'est plein partout, on vit comme si... comment ? Mais attendez, vous pourrez intervenir. Il y a un temps, pour le. Non, mais je vois que ça boue. Donc je comprends ce qu'elle veut dire, Lina. Vous aurez la parole. Ne vous inquiétez pas. Moi, je dis pas qu'ils sont heureux. Je dis pas qu'ils sont heureux. Je dis que ou qu'ils vivent bien. Je dis que ils vivent. C'est-à-dire ils vivent. Et ils ont l'impression qu'ils sont intouchables. Parce qu'il y a cette idée de l'imaginaire, de la mer, qu'on peut partir toujours de Beyrouth. On peut quitter Beyrouth. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne se révolte jamais. Parce qu'on a l'impression qu'on peut toujours quitter. Vous voyez, c'est contradictoire aussi. Donc, Alors, peut-être, et puis après ouvrir la possibilité de questions de la salle, moi je veux bien revenir quand même un tout petit peu sur l'histoire. Une question à la fois à Marlène et à Eric sur quelque chose qui évidemment, en tant que spécialiste de l'Égypte, m'a interpellée. C'est que tous les deux vous évoquez le fait qu'à un moment donné, le modèle égyptien a été regardé de très près et qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on allait faire comme en Égypte ou pas la modernisation du Caire, d'Alexandrie, d'Héliopolis, etc., etc. Est-ce que Marlène, tu veux en dire quelque chose? Et puis après, Eric, peut-être aussi. Alors, pour répondre à cette question, ça rejoint la première question, celle d'un travail sur les archives. Par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les cartons, dans la correspondance. Et pour les auteurs, enfin pour ceux qui convoquaient cet exemple-là, c'était un projet réussi. Donc il fallait s'appuyer sur cette réussite pour l'importer, en quelque sorte, importer ce modèle à Beyrouth. Y compris sur le plan du montage financier, ce que je ne développe pas beaucoup dans le livre parce que c'est assez... il s'était vraiment complètement inspiré de ce modèle-là, qu'il considérait comme une réussite à la fois sur le plan de la modernité urbaine et aussi sur tout le montage qui était nécessaire. Non, mais ça veut dire que d'une certaine manière, les Français doutent un peu d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas vers eux-mêmes qu'ils vont chercher des modèles, mais c'est du côté des autres, pour le coup. Mais ils recherchaient à Beyrouth, n'oublions pas que c'est un mandat. Donc c'est deux décennies, c'est une période où la France est en crise, donc il y a peu de moyens, il y a peu d'ingénieurs français à cette période-là au Liban. C'était même, il y avait quelques ingénieurs, il y avait l'école blanche qui venait de Russie à l'époque pour travailler. Donc l'administration du mandat était à la recherche de modèles. Il convoquait soit des modèles, soit le Maroc, soit Madagascar, sur le foncier en tout cas. Ils étaient aussi à la recherche d'un modèle rapide et efficace et peu cher. Donc en cela, bien évidemment, le modèle du Caire et d'Héliopolis, c'était un exemple pour eux facile, parfait. Jusqu'à ce qu'ils fassent appel à un urbaniste, en l'occurrence le cabinet d'Angers.
Eric, l'internationalisation, parce que toi aussi, toi pour le coup, c'est aussi des Suisses qui viennent de Turquie, qu'on mobilise oui. pour l'État. Enfin, voilà, sur cette notion d'internationalisation et puis aussi d'expertise nomade, dont bien tu sûr. Es aussi le spécialiste. Oui, alors c'est vrai qu'un des personnages sur lesquels j'ai réussi à obtenir quelques lumières dans mon livre, c'est l'urbaniste suisse qui s'appelle Ernst Egli, qui est un Suisse alémanique. Et qui a été pendant 7-8 ans, entre 1946, je crois, et 1952, en poste à Beyrouth, et donc qui est un peu la caution officielle chargée de mettre en musique les plans de la nouvelle République indépendante libanaise, même si en fait il s'appuie beaucoup sur, justement sur les experts locaux. Moi je crois que c'est important à Beyrouth d'insister sur, voilà, tu le disais tout à l'heure, les Français sont arrivés avec quelques ingénieurs, souvent des gringalets, des types qui n'avaient aucune expérience, comme Écochard qui arrivait, il avait 25 ans, et on lui a donné des super responsabilités. Bon, c'était pour ces types-là formidable, mais il se retrouvait en face de gens qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui parlaient la langue, etc., alors que tous ces Français, évidemment, ne parlaient pas l'arabe. Et du coup, moi, je crois qu'il y a eu beaucoup d'idées qui étaient en fait des idées de la bourgeoisie libanaise. Et d'ailleurs, toi-même, tu as dans tes archives identifié un certain nombre d'architectes ou de bâtisseurs libanais, enfin, ou libano-syriens, Chami, oui, à Héliopolis, et qui, en fait, je pense, ont commencé à revenir à Beyrouth dans les années 50 avec Nasser, et je pense que ça a contribué à garder ce mythe d'Héliopolis ou cette référence d'Héliopolis vivante. Hein. C'est vrai qu'il y a à la fois une circulation internationale, bon, alors il y a le Suisse, mais il y a aussi tous ces Français, hein, Écochard, et puis ensuite Léa Urif, qui va sans arrêt, depuis 20 ans, 30 ans, et on les connaît un petit peu, hein, certains qui viennent avec leurs idées, aujourd'hui ils sont en train de nous construire des pistes vertes à Beyrouth, on va voir ça, mais il y a des modes doux, juste à côté de l'université Saint-Joseph, qui peut-être verront le jour, bon. J'avoue que je suis sceptique, mais bon, voilà. Alors, donc, on a d'un côté cette circulation internationale de modèles, mais de l'autre côté, justement, les bâtisseurs libanais, architectes, ingénieurs, promoteurs, qui eux-mêmes sont des gens qui voyagent beaucoup qui importent à leur manière d'autres modèles. Et par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des gated communities, vous savez, ces lotissements fermés, etc. Mais des gated communities, on en construit au Liban depuis le milieu des années 50. Et justement, c'est des gens qui ont été aux États-Unis, etc. Donc, en fait, il y a un peu une double circulation. Et cette internationalisation, elle est complexe pour ça. Des gens qui ont, avec une vision de la ville peut-être plus business, effectivement, clairement moins intéressés par l'intérêt général, mais qui importent des modèles finalement assez effectifs. Et dans la période de la guerre civile, on a eu beaucoup aussi de gens qui sont allés travailler dans le Golfe, en Arabie, enfin déjà depuis les années 60, justement, et qui ont aussi réimporté ces cités un peu fermées, ces condominiums, etc. Et donc Beyrouth, de ce point de vue-là, est un lieu un peu hybride, où on a à la fois les théories urbaines, je vous dis, si les modes doux arrivent à Beyrouth, extraordinaire, mais aussi d'autres approches qui sont, c'est pas les mêmes circulations, en fait. Oui, donc la mer, mais au fond aussi toute la région, et puis même y compris effectivement une ville globale. Hein. Est-ce que Youssef Thomas, puisque vous importez Beyrouth à Bordeaux, qu'est-ce que vous ramenez à Beyrouth hein? Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que pour en fait avant on a toujours importé, mais on ne sait jamais on ne s'est jamais rentré dans nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, et en ce moment, comme on ne peut rien importer, donc au moins on se regarde nous-mêmes. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant maintenant, dans cette phase. C'est-à-dire que chaque Libanais, vous voyez, il y a des étudiants, tout le monde a voyagé, tout le monde. Donc, on va dire, tout le monde a échangé. C'est devenu pas, je veux dire, une vérité d'importer. Mais en même temps, il y a un travail sur vraiment qu'est-ce que c'est la société libanaise. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est l'importation, mais en même temps, on a quelque chose qui est à nous, et qu'on a oublié avant, et qu'on faisait que importer. Et après, on faisait que importer, et que ça se traduisait
je veux dire, ça a changé un peu à cause de la façon dont on construit, ou du climat, ou de la géographie, mais on n'a jamais eu autant de travail sur vraiment qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous caractérise. Peut-être que c'est cette contradiction, peut-être parce que c'est différent, c'est ça qui peut-être, est intéressant. Peut-être c'est aussi la capacité à vivre sur plusieurs mondes ou entre. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas par hasard que l'art, la musique, l'architecture, le design, le stylisme, c'est-à-dire ça explose partout parce que il y a quelque chose qui commence. C'est un travail sur soi qu'on n'avait pas fait avant. Et comme on a cette chance en ce moment qu'il n'y a pas, vous voyez, je trouve des chances même quand il n'y a plus de vision. Donc, de vision vérité, on va dire. Et donc, c'est ça qui fait que on se retourne et on se dit, bon, bah, essayons de trouver qu'est-ce que c'est qui nous. Et c'est cet échange, c'est toujours les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, moi, j'ai importé ça ou l'autre. C'est toujours la vérité du lieu. Quand je dis la vérité du lieu, pas vérité, mais je veux dire, c'est des choses qui sont dans le lieu, social, philosophique, qui sont importantes. Moi, si j'essaye de travailler sur l'urbanisme un peu en liberté à Bordeaux, c'est parce que le terrain est fertile pour ça. C'est parce qu'on a besoin de ça. C'est parce qu'on a besoin qu'en ce moment, les individus bougent. Et on a besoin que l'homme reprend sa place. Et que ce n'est pas que l'économie qui prend le dessus, et ce n'est pas que les promoteurs qui dessinent les villes. C'est pas moi qui ai imposé ça, c'est que le territoire est fertile pour dire, voilà, redonnons aux politiques du pouvoir. Parce que le politique, il a perdu le pouvoir un peu. Et donc, c'est ça, c'est une façon ça coïncide, c'est-à-dire que quand quelque chose réussit, c'est toujours, ça part ce que disait Eric, vraiment, c'est-à-dire ça part toujours. Si vous faites quelque chose et les gens ne sont pas contents, il y a une résistance. Ou ils abandonnent la ville. C'est les villes nouvelles, c'est les endroits où il n'y a personne, c'est ce qu'ils ont changé. C'est, combien, les endroits les plus réussis, c'est les endroits qu'on ne s'attend pas. C'est toujours les imprévus dans l'histoire de la ville. On a prévu ça pour, et puis hop, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent et ça devient un lieu dans tous les sens du terme. Marlène, quelque chose? Oui, sur... Oui, moi je voulais rebondir sur deux aspects. C'est très bien qu'il y ait un questionnement identitaire qui passe par les canaux de l'art actuellement à Beyrouth, mais dans une mise en perspective historique, il est utile de rappeler que la modernité s'est fondée aussi sur des leviers locaux. Il n'y a pas une importation. Il y avait des dynamiques locales, pas seulement les architectes, pas seulement les urbanistes, mais aussi, certes, peut-être une partie plus éclairée ou qui a plus les moyens de se poser ce genre de problématiques, mais qui aspirait à cette modernité, et ce, depuis le début du siècle. Je suis d'accord en moitié, parce que... parce que, en fait, la modernité... Moi, tel que je l'entends, c'est la science, le progrès qui a remplacé Dieu. Est-ce qu'à un moment donné, la masse au Liban a remplacé Dieu? Dieu est toujours là. C'est-à-dire que la modernité, ben, c'est ça la modernité, c'est-à-dire tel que la France l'a compris et l'Europe, c'est-à-dire c'est vraiment une république qui est au-delà, elle tient le progrès, la science, l'émancipation personnelle pour qu'on soit, on devient pareil pour que il y ait plus de guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené les colonies, c'est-à-dire que la modernité a amené des choses aussi qui sont négatives, parce que on a cru que si il faut qu'on soit pareil pour que on s'entende. Et ça, c'est la modernité qui a échoué dans ce sens-là. Au Liban, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il y a des gens, des intellectuels, des architectes, mais ça a touché l'élite. Mais ça n'a jamais, c'est-à-dire, c'est pas un pays qui a vécu la modernité comme la France l'a vécu, comme la République ici a instauré une vraie modernité. Je vais peut-être réagir pour dire justement que ce qui est intéressant, c'est cette modernité hybride. Qui est hybride, qui avec la résilience,
ça va se transformer et va donner lieu à quelque chose de tout à fait différent. C'est dans ce dialogue que les choses sont intéressantes. Oui, bon, peut-être on va donner. On peut pas faire un dialogue entre Marlène et Youssef, mais on va. Mais vous pourrez le poursuivre. J'espère. On va peut-être donner la parole à Eric sur cette question de modernité hybride, modernité locale, modernité laquelle. Et puis ensuite, puisque le déroulé de cette conversation le veut, chacun d'entre vous défendra un livre, un coup de cœur qui vient de la bibliothèque. Donc, modernité oui. S, on bon, peut dire déjà. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que j'ai souligné le rôle des Libanais dans la circulation des modèles et en insistant sur le rôle de certaines élites, hein, notamment en évoquant l'exemple égyptien. Mais finalement, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant à Beyrouth et ce qui explique certainement ce bouillonnement dont on a parlé dans le design, dans un certain nombre d'autres choses, c'est que finalement on a quand même toute une société qui elle est à la fois à Beyrouth et ailleurs. Alors soit directement par des gens qui, bah, comme Youssef, ont circulé, ou comme j'imagine un certain nombre d'entre vous qui êtes en ce moment à Paris, mais qui à un autre moment allaient rentrer à Beyrouth, etc. Et peut-être vous avez aussi habité à Londres, à New York, ou je ne sais pas où, ou à Brasilia, ou etc. Donc je pense que c'est important de changer un peu une certaine conception du Liban comme en quelque sorte voilà ce pays qui est juste la terre et la montagne la mer et la montagne et effectivement de reconnaître, mais ça a été un petit peu dit tout à l'heure, cette importance des liens oui. et des allées et venues quoi. Et du coup cette expérience-là, ce n'est pas une expérience qui est limitée à l'élite libanaise. Non. C'est une expérience qui, aujourd'hui, et un peu sans doute malgré eux, est imposée à une grande partie de la population libanaise parce que, en raison du modèle économique et des guerres, ils sont obligés de partir. Et puis du contexte régional. Et du contexte, enfin les guerres. Voilà. Mais le modèle économique qui a été mis en place depuis les années 50 hein, et qui n'est pas un modèle qui finalement est un modèle intégrateur. Et du coup, avec des redistributions, etc., peut-être que ce n'est pas possible dans un petit pays comme le Liban d'ailleurs, hein, mais en tout cas, je ne veux pas porter un jugement de valeur, mais en tout cas, ça a comme conséquence que le Liban est en fait une société circulante, où je crois qu'il y a eu des enquêtes qui ont montré qu'effectivement chaque famille a au moins quelqu'un qui est à l'extérieur, etc. Alors ça veut dire des liens avec ces personnes qui sont temporairement ou pour des longues durées à l'extérieur, des liens financiers bien sûr, et de la solidarité, l'argent qui revient hein, au Liban, ça a été mesuré, c'est à peu près 25%, c'est-à-dire que y a par rapport à la richesse qui est produite sur place, il y a 25% en plus qui revient. Donc tout ça, ça alimente une consommation de l'architecture, justement, et de l'urbanisme. Bon, voilà. Mais il y a aussi des représentations qui circulent. On a parlé de modèles urbains, etc. Mais c'est vrai à une certaine échelle, mais c'est aussi des manières d'habiter, des manières de se représenter. Alors, les gens qui sont allés en France n'ont pas les mêmes, je pense, représentations de la société que ceux qui sont allés en Australie, ou au Canada, ou en Argentine. Mais du coup, tous ces modèles sociaux, ils sont aussi présents au Liban. Et du coup, ça, c'est vraiment important d'insister sur ce caractère hybride ou carrément composite de ces modernités libanaises. Et quelque part, je pense que la difficulté d'être au Liban, c'est un petit peu ce choc de toutes ces références. Et ce n'est pas simplement un choc de référence locale, Allah ceci et Allah ça, cela. Hein. C'est aussi des tas de modèles, et pour le coup, ce n'est pas du tout purement confessionnel, parce qu'en Afrique, vous avez des chiites et des chrétiens, etc. Enfin, on peut multiplier les exemples. Et du coup, ça produit une ou plusieurs modernités un peu conflictuelles, parce que la modernité, c'est toujours un conflit, mais là, c'est
une sorte de conflit multiplié par ces horizons et ces circulations qui produisent aussi des chocs de temporalité, etc. Et moi, je pense qu'on a souvent représenté, c'est le général de Gaulle qui part vers l'Orient compliqué, bon, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué justement que ça, parce que il n'y a pas que le général de Gaulle qui bouge, et le général de Gaulle s'est même pas rendu compte qu'en fait, quand il est arrivé au Liban, il y avait plein de Libanais qui étaient déjà en Afrique, déjà en Amérique, avec des liens très très importants. Et je pense que du coup, ça veut dire que cette modernité, elle est aussi complètement populaire, et ça produit des manières de vivre la ville différentes, peut-être des fois modernes au sens qu'on se fait, mais aussi traditionnelles, mais qui sont des réinventions de la tradition, qui sont importées elles-mêmes. Vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est important de reconnaître cette dimension de réseau, de circulation de la société libanaise. Moi, je dirais plutôt contemporaine, parce que moderne, il faut vraiment être précis sur le mouvement moderne. Après, moi, je pense que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vrai que pour évoluer, à mon avis, il faut échanger. Et je pense qu'en ce moment aussi, on échange au Liban parce qu'il y a un regard sur nous. Et ce regard, à mon avis, il est lié parce qu'il y a du changement chez nous. Et qu'en ce moment, en Europe, il y a du changement. Et que ça commence à les intéresser. Et donc, le fait qu'on intéresse les autres nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. On se dit, tiens, il y a quelque chose. Pourquoi ils s'intéressent à nous? C'est ça, en fait. Et donc, tout d'un coup, il y a une confiance qui est née. Parce que si personne ne s'intéresse à vous, vous n'allez pas travailler. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais si vous allez au Liban, il y a des journalistes qui viennent du monde entier toutes les semaines. Mais donc du monde entier. On est bien quand même dans un territoire qui dépasse le territoire. Parce qu'en ce moment, on sent que ça touche l'étranger. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au Liban, ces différences, ces contradictions, ces choses-là commencent à toucher des sociétés qui étaient assises sur des acquis, sur des choses, sur des visions, sur une mono-idée de la société, et qui commencent maintenant à bouger et qui fait peur, et je comprends, et qui, tout d'un coup, on se dit, tiens, comment ils font c'est ça qui... Et donc, comme on sent qu'on intéresse les autres, on commence à dire, tiens, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Bien, sur cette, le Liban dans le regard des autres. Marlène, ton coup de cœur ? Moi, c'est très clairement, c'est une collection, ce n'est pas un livre, puisque j'ai envie de regretter, comme ça a été dit, cette très belle collection Portraits de Ville. Qui permettait non seulement aux architectes, aux urbanistes, mais aux touristes, à tout un chacun, même à ceux qui ne voyageaient pas, de pouvoir rester chez eux et de découvrir une ville à travers des chercheurs, à travers des architectes, des urbanistes, de pouvoir non seulement avoir ça convoque deux aspects. Ça convoque un aspect à la fois sensible, puisque ça propose une balade quelque part, et à la fois un aspect scientifique, parce que c'est des articles complètement fondés sur la recherche. Donc je regrette vraiment cette collection, que je conseille à mes étudiants en troisième année dans mon cours Histoire des villes, comme je parle je leur conseille vivement donc de s'appuyer sur cette collection pour faire leur recherche. Donc voilà, j'espère que on va retrouver quelque part, on va retrouver cette collection, qu'elle n'est pas tout à fait perdue à jamais. En tout cas, dépêchez-vous, parce qu'il y a déjà un certain nombre de numéros qui sont épuisés. Donc voilà. Donc oui, il faut faire vite. Éric. Oui, alors moi j'ai choisi un livre de Marcel Roncaiolo qui s'intitule « Lecture de ville, formes et temps ». Alors Marcel Roncaiolo, peut-être un certain nombre d'entre vous le connaissent, c'est un vieil homme aujourd'hui, un géographe et historien qui s'est beaucoup intéressé aux villes
notamment en France, il est beaucoup intéressé à Marseille, mais aussi ailleurs. Il a écrit un certain nombre de livres. Bon, j'ai choisi celui-là parce que ça, c'est un recueil d'articles, des textes qu'il a écrits dans plein de revues, dans des supports très, très variables généralement mal connus. Et puis, par chance, ça a été publié par cet éditeur que vous connaissez bien ici en architecture, les éditions Parenthèse, un éditeur qui fait du beau travail. Donc, quelque part, c'est un témoignage des pensées très, très diverses sur la longue durée, depuis les années 50, justement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 2000, de Marcel Roncaiolo. Alors pourquoi Marcel Roncaiolo? Parce qu'en fait, je veux dire deux raisons. D'abord, il se trouve que Roncaiolo, qui a beaucoup travaillé sur Marseille, moi je l'ai rencontré, moi-même je suis en fait né à côté de Marseille, et j'ai vécu à Martigues, et je l'ai rencontré dans les années 90 quand il était en train d'écrire un livre sur Martigues, et à partir de là on a eu beaucoup beaucoup d'échanges. Et en particulier, j'ai eu l'occasion de lire son livre qui s'intitulait, qui n'était pas présent dans la bibliothèque, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, L'imaginaire de Marseille, en fait. Et alors, vous voyez, cette histoire d'imaginaire, en fait, ça m'a travaillé. Et quelque part, quand je suis parti à Beyrouth, enfin, quand j'ai commencé à faire cette thèse, mon idée, c'était un peu de faire, quelque part, un imaginaire de Beyrouth. Alors, je ne connais pas du tout Beyrouth comme lui connaît Marseille. Bon, mon arabe est quand même pas du tout efficace, donc il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais bon, j'ai essayé néanmoins, en particulier à partir de cette idée des urbanistes, de ce groupe social, des urbanistes, des architectes, de reconstituer un petit peu cette idée d'un imaginaire, notamment un imaginaire qui est aussi un imaginaire de circulation, comme vous avez compris. Et puis quelque part, ça me permet de faire un lien entre Beyrouth et Marseille, parce que je trouve que voilà, ce sont deux villes qui ont peut-être justement dans leur chaos, dans leur résistance quelque part à l'urbanisme officiel imposé de l'État. Marseille, parce que c'est il n'y a pas beaucoup d'État à Marseille. Justement, mais parce que Marseille c'est une ville loin de l'État, et à Beyrouth, l'État n'est pas très présent. Et donc voilà, c'est une manière de signaler aussi ce lien, un peu comme un clin d'œil. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet ouvrage de Roncaiolo. Youssef, je crois que vous n'avez pas fait votre devoir. Si, si, moi j'ai choisi les deux livres, Eric et Marlène. Non, mais en tout cas, je vais les acheter parce que ça me permet maintenant de découvrir sérieusement l'histoire urbaine du Liban. Et non, je suis sérieux, je vais les lire. Ça va vous donner plein d'idées. Voilà. Ça va nourrir votre imaginaire urbanistique. Les questions de la salle, je crois, maintenant, n'est-ce pas? Oui, merci. Je voulais féliciter Youssef Tomé pour, ces propos qu'il a tenus. On a l'impression, quand on l'entend, qu'il est l'homme de la circonstance, que dans ce monde à la fois fragmenté et relativement menaçant, je veux dire, l'exemple libanais nous donne à tous, je veux dire, une sorte de ressort, quoi. Je veux dire, il s'agit d'être un peu libanais tous, à notre façon. Et d'autre part, lui dire que j'ai eu 20 ans à Beyrouth il y a déjà quelques années, et je me souviens qu'à l'époque, la circulation, enfin, le concert de klaxon était tel dans Beyrouth, qu'on avait fait appel à la maréchaussée italienne pour régler un peu la circulation. Alors les Italiens sont venus à Beyrouth, rien n'a changé à Beyrouth, les Italiens sont rentrés chez eux, et là on a été obligé de reformer la maréchaussée italienne, parce que... Ils avaient pris des mauvaises habitudes. Voilà. International quand même, hein, international. Il faut que vous parliez dans un micro parce que c'est enregistré. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, on allait à Saint-Simon et avec ma petite sœur qui d'ailleurs est dans la salle. Mais ce que je trouve de la mer aujourd'hui à Beyrouth, c'est qu'elle n'a plus la même couleur. C'est ça qui ne va pas. Voilà. C'est ça qui ne va pas parce que j'ai découvert, et ça au cours de mes voyages, que les rebuts de la guerre... c'est-à-dire le pilonnage de ce qu'a été de la ville de Beyrouth, puisqu'il n'y a pas un immeuble qui ait échappé à la guerre, tout ça a été déversé dans la mer.
avec, j'imagine, les photos de famille, les objets personnels des uns et des autres. Donc cette mer est devenue un immense cimetière du centre-ville et vraiment... Et puis alors, je veux dire, côté environnement, ça ne va pas du tout à Beyrouth non plus. Hein. Voilà. Oui, au premier rang, il y avait une envie de question. Alors, moi, je voulais aussi m'adresser à M. Tormé pour le féliciter également, mais aussi pour lui poser une question, rebondir un petit peu sur l'idée de la mer et de la montagne, pour laquelle je suis tout à fait d'accord, mais je voulais savoir pourquoi la mer et la montagne et peut-être et pas du tout le patrimoine. Parce que je pense que le patrimoine, c'est aussi un moyen d'unir les Libanais et toutes les autres populations du monde d'ailleurs entre elles. Alors, j'ai entendu que vous aviez parlé que les Libanais avaient fait un travail sur eux-mêmes, de recherche sur leur personnalité, etc. Je suis tout à fait d'accord aussi. Et je me demande, alors ils se sont posé la question, je cite, qui sommes-nous et je ne sais pas pourquoi. Alors je sais qu'on est dans une rencontre autour de la modernité de Beyrouth, mais est-ce qu'on peut parler de modernité sans évoquer, surtout qu'on est dans la cité de l'architecture et du patrimoine, le mot patrimoine. Voilà. Pour moi, quand je parle de la mer et de la montagne, pour moi, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que pour moi, c'est le patrimoine et que tant qu'on ne le nomme pas patrimoine, on va déverser encore des choses dedans. C'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire oui. Que pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de ruiner et qui est terrible. C'est-à-dire, et je pense qu'une fois qu'il y aura plus de mer, plus de montagne, c'est là où, à mon avis, il n'y a plus rien au Liban. Oui. Simplement, moi, je parlais du patrimoine architectural bâti. Oui, oui, j'ai compris. Et j'y tiens un petit peu parce que... La maison aux trois arcs, pour ne pas la nommer, non. Voilà, entre autres. Non, c'est vrai que vous aviez, madame, est spécialiste de l'architecture ottomane. Et à Beyrouth, Dieu sait si Beyrouth était construite un petit peu selon une architecture ottomane. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Et pourtant, alors vous avez aussi parlé des habitants, du rôle des habitants. C'est quelque chose qui est super important, effectivement. Mais c'est là où je me demande aussi si, parce que vous aviez dit, c'est tout à fait exceptionnel ce que vous avez dit, parce que ça dénote quand même beaucoup de d'optimisme et une vision très optimiste des choses. Mais je pense quand même que les habitants de Beyrouth ont été quand même un petit peu lésés par le fait que leurs maisons n'existent plus, qu'elles ont été démolies, qu'elles ont été remplacées par des tours pour lesquelles ils n'ont peut-être pas forcément accès. Il y a aussi un problème de coût. Effectivement, vous avez parlé du rôle de l'État. Effectivement, le Liban n'a aucune politique patrimoniale. Donc, c'est vraiment un problème d'État, effectivement. Mais c'est aussi peut-être là qu'il faut, il faut voir où ça prêche. Oui. Tu veux répondre ? Oui, enfin, peut-être un petit commentaire sur cette nature... du patrimoine. On entend bien que c'est le patrimoine bâti, mais en même temps, vous le sous-entendez, c'est aussi la question de la vie des habitants, leur possibilité d'être en ville. Et je pense que, pour moi, la question du patrimoine à Beyrouth, c'est pas tant un problème d'esthétique. Bien sûr, il y avait des vieilles maisons, il y avait des belles maisons dont beaucoup ont été détruites. Il en reste quelques-unes. Parce que leurs propriétaires les ont vendues. Oui, déjà, voilà, bien sûr. mais quelque part, justement, je pense que le grand problème qui se pose aujourd'hui à Beyrouth en particulier, c'est la loi qui protégeait les locataires, les anciens locataires, qui est menacée. Donc, alors, il y a une nouvelle loi qui l'annule, qui est passée, mais elle n'est pas encore rentrée vraiment en pratique. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai enjeu et du coup, qui pointe une autre question, enfin, ou une question que j'ai déjà abordée tout à l'heure, c'est-à-dire l'urbanisme pour qui, finalement? Et quelle ville veut-on conserver? Il ne s'agit pas de conserver les trois arcs pour les trois arcs, finalement. Et d'ailleurs, les pauvres n'habitaient pas dans les trois arcs, mais il s'agit de conserver aussi les habitants qui habitaient dans les maisons qui étaient moins belles que les trois arcs, mais qui étaient aussi anciennes.
et qui donnait à certains quartiers de Beyrouth en particulier une atmosphère assez caractéristique, atmosphère voilà, qui aujourd'hui a été assez transformée par alors, les tours, mais aussi la commercialisation rampante ou flagrante de Gemayzé, de Mono d'abord, aujourd'hui de Marc Mirail. Donc il y a tout un tas de transformations qui résident en fait dans la commercialisation finalement du bâti, l'utilisation d'un bâti et d'une image sympathique pour d'autres usages que simplement l'usage de l'habitation. Alors c'est vrai que ça rend aussi Beyrouth sympathique, tous les journalistes qui viennent à Beyrouth, Youssef, c'est vrai qu'ils passent une nuit dans les boîtes, etc., et ils reviennent ensuite, voilà, formidable. Mais quelque part, c'est vrai que tous ces bars et toutes ces boîtes ont été aussi des choses qui ont chassé et qui ont fait disparaître une partie de cette vie traditionnelle. Et alors du coup, là, on est un peu dans un choc entre voilà, cette vie trépidante qui passe par ce type de nightlife et tout, et d'autre côté, le maintien d'une population moins aisée, peut-être qui bouge un peu moins. Et donc, c'est un choix qui n'est pas facile, en fait. Et bon, on peut le déplorer. Moi, je trouve que c'est des évolutions qui sont très, très brutales. Et puis, on ne sait pas très bien ce que deviennent ensuite ces quartiers une fois qu'ils ont été vidés par... Enfin, que la vague des bistrots et des restaurants et des boîtes est passée. Change, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, la vie a été déstructurée. La vie sociale qui avait a été déstructurée. Et je crois que là, c'est un peu un choix. Et ce choix n'est pas posé, véritablement. Il est souvent posé en termes esthétiques et pas assez en termes de quel modèle de société ou quel type de société veut-on à Beyrouth. Marlène, un commentaire sur la maison aux trois arcs. Heureusement que le patrimoine à Beyrouth ne se limite pas à la maison aux trois arcs. Non, bien sûr, c'est une caricature, mais c'est pour te faire réagir. Voilà, heureusement que Beyrouth a un patrimoine beaucoup plus étendu, notamment l'architecture internationale. On a encore des quartiers qui sont sauvegardés. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être aussi là, parce qu'on a des quartiers entiers qui sont des fleurons de l'architecture internationale. Mais je voudrais rebondir si Vas-y. Je voudrais rebondir sur la notion de patrimoine. Si on arrive à sauvegarder la mer, tout le reste marchera avec. Parce que si on part de l'idée qu'il y a un bien commun, si on part de l'idée qu'il y a un intérêt général, après on se reposera à la question de définir qu'est-ce qui est classé ou pas patrimoine, maison aux trois arcs, architecture internationale, etc. Je veux dire, c'est la même démarche. Donc là, je rejoins ce qui a été dit. C'est exactement, dans la continuité, c'est exactement la même démarche. Et je voudrais aussi rajouter une petite chose. Moi, je ne vis pas à Beyrouth. Donc j'y vais pour des raisons professionnelles, etc. Le regard extérieur... Je suis donc née à Beyrouth, mais le regard extérieur que je pose... je suis toujours très agréablement surprise de voir la capacité des habitants de Beyrouth à s'organiser, à réaliser des choses, à se mettre, notamment sur des questions de patrimoine. Par exemple, je suis toujours surprise de voir qu'il y a une association qui s'est montée pour défendre tel ou tel quartier. Je suis toujours étonnée de voir que c'est peut-être là qu'on peut rester malgré les tours optimiste. Une question là au deuxième rang et puis une autre là-bas. Oui, bonjour. À propos de ce que vous disiez, Monsieur Eric, je trouve que peut-être au centre-ville, le fait de l'expropriation des habitants, ça a eu un effet très important à ce que le centre-ville est aujourd'hui n'est plus vraiment, n'appartient pas vraiment aux Libanais, et même les projets qui se développent ne sont pas des projets destinés aux Libanais même. Et j'ai une autre question, à propos des autoroutes qui sont reprises, des plans qui datent des années 50, comme par exemple l'autoroute Fouad Boutrous, et comment c'est la société civile qui a demandé en fait une étude d'impact avant
de réaliser ce projet qui affecte en fait l'environnement, affecte toute la société même, et même un espace vert qui est un des rares dans la région. Oui, alors c'est vrai que l'expropriation massive qui a permis de réaliser le projet solidaire est certainement, par sa brutalité, par son caractère extrêmement étendu, un élément qui a empêché une réappropriation plus graduelle du centre-ville. Alors en même temps, je pense qu'il faut quand même bien réaliser que le centre-ville qui existait en 1975 a été très largement socialement transformé, c'est-à-dire que tous les commerçants étaient partis, il y avait plein de squatteurs qui étaient arrivés dans cette région, donc ce n'était plus la même société. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le fait de faire solidaire d'un seul tenant, d'exproprier donc tous les anciens ayants droit, alors les ayants droit c'était les propriétaires, mais aussi les locataires, a eu évidemment un effet radical, et ça explique en fait la très grande difficulté aujourd'hui à faire renaître une société. Voilà. Alors, d'autant plus que les projets, une partie des projets sont effectivement destinés à une clientèle qui est expatriée ou qui n'est carrément pas du tout d'origine libanaise. Alors, bon, on peut se demander un petit peu comment les choses vont être réappropriées. Hein. Je me rappelle qu'au moment, justement, dans ces années 96-97, certains disaient « Ah, mais de toute façon, vous verrez, dans 25 ans, dans 30 ans, voilà, Solidaire aura connu des faillites, des problèmes et tout. » Et finalement, c'est par ce biais-là que la ville, la société urbaine pourra se reconstituer. Alors, je ne sais pas, peut-être... Qu'en est-il, de fait hein? Alors, de fait, pour l'instant, Solidaire n'a pas fait faillite, vous le sauriez. Mais bon, effectivement, est-ce qu'il faut le souhaiter? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la propriété étant tellement d'un seul tenant, même si ils ont vendu des morceaux, etc., hein, mais ça pose ce problème d'une appropriation différenciée, d'usage un peu déviant et tout. Vous savez à quel point il y a des vigiles qui surveillent. Le Zeytoun Abel est bien connu pour... il est interdit de manger des cacahuètes, d'écouter de la musique, de faire du patin à roulettes, du vélo, etc. Bon, en gros, vous avez juste le droit de vous asseoir et de prendre une narguilé pour, en payant $120, parce que c'est le tarif des restaurants. Donc, c'est un petit peu... c'est vrai que là, on a quelque chose qui ne permet pas... Hein, et bon, je ne sais pas exactement jusqu'à quel point les concepteurs de Solidaire avaient anticipé ça. Je pense qu'une partie des gens qui ont participé à au montage de ce projet aujourd'hui sont déçus, notamment parmi les architectes et tout. Bon, pour d'autres, je pense que c'était juste une machine à fric, et pour eux, c'est rentable, hein, malgré les hauts et les bas d'une année à l'autre. Voilà. Alors, sur la deuxième partie de la question, les autoroutes, ou les projets de percée, parce qu'en fait c'est plus une percée que véritablement une autoroute, hein, c'est une voie rapide. Hein. Donc c'est un projet typique des années 50. Dans les années 50-60 à Paris, on voulait aussi amener des autoroutes jusque... Enfin, rappelez-vous, il y avait un projet sur la rue de Rennes. Là, Non, voilà. Mais à Paris, effectivement. Voilà. Oui, Paris, ville historique, voilà. S'il en voilà. est. Voilà. Donc, bon, cette mentalité d'installer effectivement des autoroutes, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a totalement disparu de l'imaginaire aménageur. On s'est rendu compte, et puis il y a eu toutes ces réactions populaires et tout, qui font que cette idée n'est plus en vogue. Bon, il se trouve qu'à Beyrouth, et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est lié au fait que c'est un urbanisme qui a marché à moitié. On avait mis... Des voies réservées sur des plans, on a pris des décrets d'intention d'expropriation et qui ont continué à courir, alors que normalement, ils auraient dû, au bout de quelques années, ne serait-ce que par justice pour les propriétaires, être abolis. Si, au bout de 10 ans, si on n'a pas réalisé une expropriation, il faut qu'elle tombe. Alors, en fait, à Beyrouth, ça ne se fait pas. Donc, ça fait 50 ans que donc, des maisons étaient en fait en train de s'écrouler, etc. Alors, aujourd'hui, certaines de ces maisons sont encore très très belles, c'est vrai, notamment sur la rue Gouraud. Mais moi, je pense que s'il n'y avait pas eu ces tracés, de toute façon, ces maisons auraient disparu parce qu'il y aurait eu de la spéculation immobilière, elles auraient été remplacées. Donc là, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que ces autoroutes urbaines ou ces voies rapides, elles ont contribué à geler une partie des parcelles. Et donc, c'est vrai que si on arrivait à inverser cette situation et à ce qu'un État ou une municipalité forte se saisisse de cette occasion pour conserver ce patrimoine, il y aurait une opportunité. Mais comme vous savez, à la municipalité, ça n'est pas vraiment leur tasse de thé. Mmh.
Il y avait une question là-bas et puis ensuite au premier rang. Je voulais juste faire une petite remarque. Moi, je ne partage pas malheureusement l'optimisme de Marlène. Parce que j'ai l'impression qu'à Beyrouth, c'est de moins en moins les gens qui font la ville. Parce que, par exemple, pour rebondir sur ce que disait Eric sur la nouvelle loi qui vient de passer, en fait, hein, pour supprimer les anciens loyers, ben, qu'est-ce qui se passe finalement quand on construit une tour? Non seulement on supprime les espaces de sociabilité qu'il y avait dans les maisons telles qu'elles sont conçues actuellement, c'est-à-dire les escaliers intérieurs avec les petits paliers, mais il y a aussi tous les commerçants qui sont au rez-de-chaussée qui disparaissent. Donc en fait, c'est une ville qui est en train... moi, je suis malheureusement peu optimiste. J'ai l'impression que, effectivement, ce qui est très frappant quand on n'y vit pas, c'est de voir la vitalité des associations, par exemple, qui résistent. Hein. Notamment, je pense à la Corniche et à ce qui se passe à Dahlier. Il y a des associations qui sont en train de mettre en question et peut-être de s'opposer au projet de Rem Koolhaas, ce qui est quand même extraordinaire, vu la notoriété. Ils ont fait une lettre ouverte. Rem Koolhaas a dit qu'il allait réfléchir. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Mais j'ai l'impression qu'avec, petit à petit, avec des arsenaux législatifs et des constructions de facto de tours, on est en train de vider vraiment les espaces centraux ou péricentraux de Beyrouth de leurs habitants. C'est-à-dire le modèle solidaire, malheureusement, a créé des centaines de petits solidaires partout. C'est-à-dire, bon, évidemment, le centre-ville, c'est très visible, mais quand on est dans les quartiers péricentraux, on commence à voir des espèces de solidaires. C'est-à-dire qu'on a, à la place où il y a, là où il y avait, je sais pas, 40 personnes et un coiffeur, un joaillier, et puis, il y a une tour avec un vigile, 24 heures sur 24, un digicode. Donc, moi, malheureusement, je pense que Beyrouth, dans 15 ans, ça sera de plus en plus ça. Et les gens normaux iront vivre à l'extérieur de Beyrouth. Donc Beyrouth, elle sera dans notre imagination et dans notre souvenir surtout. Marlène, ou Youssef, qui était encore plus optimiste que Marlène. Non, ça sera plus comme avant, oui, mais peut-être mieux, non? Je ne sais pas. Donc qui nous dit qu'avant c'était... c'est-à-dire, je ne sais pas, moi je suis... c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Dans Solidaire... Il y a deux côtés, il y a deux volets, c'est un chapitre en lui-même, mais ce qui a Solidaire, ce qu'il faut quand même dire, que Solidaire a essayé de faire des rues, des trottoirs, des endroits, c'est-à-dire où, qui représentent l'État. Ce que maintenant on ne fait plus, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait des tours, c'est le promoteur qui se représente, et que c'est les gens qui veulent se protéger, font un truc à eux. Solidaire a gaffé dans ce que disait Eric, c'est-à-dire quelle société on veut, quand on, c'est pas juste de la morphologie, mais quel type de personne on veut, et c'est là où on n'est pas tous d'accord. Eux, ils veulent des riches, ils veulent ça, ils veulent ça, là on n'est pas tous d'accord. Mais ils ont essayé quand même, après une guerre où tout le monde s'est tiré dessus, de dire il y a de nouveau un État. Il y a des trottoirs, il y a des lampadaires, il y a un urbanisme à respecter, il y a des règles à respecter. C'est ça le côté positif que je trouve dans Solidaire. Après, moi, j'espère qu'il y aura de la résistance et j'espère qu'il y aura des faillites. Parce qu'une ville, ce n'est pas juste 5 ans et 10 ans. Une ville, c'est le temps long. C'est oui. Le temps est long. Donc, j'espère qu'à un moment donné... Les gens vont prendre Solidaire. D'ailleurs, ça se voit qu'ils sont en train de changer. Ça se voit que dans leur approche, ils sont plus humbles, plus modestes, plus... ça se voit. C'est tant mieux. Après, moi, je ne suis pas optimiste. Non, parce que... c'est-à-dire, ça, c'est... Quand il n'y a pas d'État, ben, on a ça. On a l'économie, l'argent, c'est ça qui... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire... Une question en premier rang. C'est un peu dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, je partage aussi cet optimisme d'une certaine manière aussi que
Aujourd'hui, Beyrouth, c'est un peu la manifestation dans un construit, dans notre bâtiment, dans les bâtiments, en fait, dans l'espace construit de conflits sociaux qui viennent négocier des limites. Et c'est dans cette limite-là que vient émerger des contradictions, finalement, qui donnent lieu à des spatialités fascinantes, en fait, comme si on voyait les interstices des bâtiments qui se superposent à l'histoire de la ville, qui se superposent au patrimoine. Mais je pense qu'il y a aussi un côté très critique dans tout ça, parce que finalement, il ne faut pas oublier de ce qui se passe autour de Beyrouth, la banlieue de Beyrouth, par exemple, et qui construit à l'intérieur de Beyrouth. Il y a une sorte de marginalisation aussi, même à l'intérieur même de Beyrouth, tous les informal settlements, en fait, qu'on voit, c'est vraiment, il y a tous les déchets aussi de ce qui se passe quand il y a toutes ces intersections qui arrivent et quand il y a une absence de collectivité. Ça ne veut pas dire qu'il faut un gouvernement pour faire ça, mais ça veut dire que la notion du collectif est très importante et c'est là où les associations sont en train de faire un travail, mais justement dans cette période-là où aujourd'hui on a un certain retour, parce qu'une sorte de stabilité. Oui. Mais c'est là où dans quelques années, s'il y a une instabilité possible politique, tout s'effondre dans un seul coup. Et voilà, le futur est autour qui se construit, ce qui homogénise finalement toute cette richesse contradictoire qu'on a aujourd'hui. Non, mais là, c'est-à-dire que pour faire une ville, il faut une vision et des habitants, et c'est un aller-retour entre tes initiatives privées et une vision. Au Liban, il n'y a pas de vision. Il y a des petites. Donc, c'est ça qui permet d'avoir des choses, des machins. Et quand il y a une vision, elle est totalitaire. Donc, c'est un peu ça, je caractérise. Mais je pense que, en fait, les microvisions sont hyper intéressantes, mais elles doivent exister à une échelle collective et doivent aussi prendre en compte Mais l'argent, c'est-à-dire que les associations dont vous parlez, c'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire que la tour, elle va se faire et le truc va se faire. C'est-à-dire parce qu'à la fin, c'est l'argent qui. Si l'État ne défend pas ça, mais qui va le faire? C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas les gens de l'association. Pas tout le monde en même temps, parce que sinon, donc ça finissait votre phrase. Non, mais c'est-à-dire que une association, par exemple, je parlais de la Suisse avant en rigolant, mais une association en Suisse, elle peut arrêter le gouvernement, elle peut faire sauter un premier ministre. Quel pouvoir a une association au Liban? Ils les laissent parler, puis à un moment donné, ils vont faire, et puis hop, on va passer à autre chose. Et comme les Libanais oublient très vite, donc on va trouver un autre problème et machin. Donc je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours le même problème. On tourne autour du même problème. C'est-à-dire que c'est une ville, c'est les habitants et une vision. Point. S'il n'y a pas de vision, il y a un truc qui manque. Si l'initiative privée n'existe pas, c'est aussi un échec. Oui, Eric. Ouais, moi, j'ai envie de réagir sur cette identification d'une sorte de société civile active, etc. Alors, je pense que peut-être pour élargir le débat et réfléchir sur le pouvoir que ces collectifs, on va dire, auto-organisés peuvent avoir. Je pense que c'est important de sortir de Beyrouth et d'aller regarder les banlieues. Et en fait, nous autres chercheurs, nous ne le faisons peut-être pas tout à fait assez. Peut-être que les architectes, eux aussi, ne le font pas tout à fait assez. Tout à l'heure, Youssef disait, qui va à Dahye? Qui va à Al-Tabaï? C'est une question, parce que, au fond, vous avez peut-être 400 000 habitants à Beyrouth, mais 500 ou 600 000 à Dahye, quelque chose comme la même chose entre Bosh Hamoud et Jounieh. Bon, donc au fond, le Liban urbain et ce qu'on appelle Beyrouth aujourd'hui, c'est aussi voilà, au-delà du Nahar Beyrouth et au-delà de Bir Hassan. Alors là, eh bien, on a une ville qui est mal connue, où les interstices, en quelque sorte, sont beaucoup plus importants et où il y a des formes d'auto-organisation qui sont maintenant organisées sur la longue durée. On parlait tout à l'heure un petit peu de l'habitat informel qui s'est mis en place pendant la guerre, même avant la guerre, qui s'est consolidé, qui s'est vraiment, finalement, qui s'est structuré. Et il ne s'est pas structuré d'une manière, comme on dit souvent, spontanée ou anarchique. Il s'est structuré dans la violence, sans loi, mais ou en tout cas en jouant avec la loi, parce que
voilà, dans un rapport de force. Mais du coup, cette ville, disons, informelle, elle exprime la capacité de collectif. Je ne dis pas que ce sont des collectifs vertueux, hein, mais à s'auto-organiser et à produire finalement de la ville sur la longue durée. Et comme l'État est incapable, par exemple, de mettre en place un projet comme Elissar, mais au fond, il faut peut-être s'en réjouir. Parce que du coup, on a là, à Ouzaï et à Jnar, eh ben, une ville qui a 40-50 ans d'âge, où l'imprévu, effectivement, survient. Bon, et bon, je ne dis pas que c'est une ville merveilleuse. Hein, voilà, ça ne sent pas très bon. Y a des égouts ne fonctionnent pas toujours. Il y a beaucoup d'ordures, de choses comme ça. Mais en même temps, ça donne une idée de ce que la société, lorsqu'elle s'auto-organise en prenant acte du fait que l'État ne s'intéresse pas à cela, et elle est capable de produire dans la longue durée. Alors, ce n'est pas la ville que nous autres, architectes et urbanistes, dont nous rêvons, disons. Il faut le reconnaître. Mais comme c'est la ville que vivent peut-être au moins le tiers des habitants de Beyrouth, elle mérite considération pour en tirer peut-être des leçons. Ça nous questionne, justement, cette société qui est capable de vivre sans président, sans gouvernement, etc. Finalement, elle, quelque part, elle tient. Les Belges aussi ont été capables de vivre pendant un exactement. An et demi. Ça relativise. Et, et l'administration ne s'est pas effondrée, hein, pour autant. Et du coup, voilà, moi, je pense que c'est important qu'on regarde, alors que les architectes, les étudiants architectes aillent regarder ce qui se fait, bon, à Ouzaï, mais aussi, je pense, dans d'autres coins de la banlieue Est, je ne sais pas où, hein, y a plein d'endroits, Fanar, Borj Hamoud aussi. En tant qu'urbaniste, on doit aller regarder plus qu'on ne le fait, et sous un angle différent de ce que nous faisons d'habitude, où nous regardons en quelque sorte en quoi ils sont justement au-delà de la loi ou en deçà de la loi, donc d'une manière négative. Il faut plutôt essayer de comprendre comment ce qu'ils font dure, tient, voilà. Et en s'abstenant pendant un moment d'avoir un jugement de valeur, et finalement, bah, peut-être que c'est le nouveau patrimoine qui est en train de se construire dans certains de ces quartiers. D'autres questions ? Bonsoir. Vous avez parlé de l'inattendu à Beyrouth et du fait que les gens parfois modulent cette ville. Je veux juste poser la question à propos de l'espace public à Beyrouth, l'espace inattendu public ou l'espace spontané qui se crée partout dans la ville, dans plusieurs quartiers, parfois même pas nécessairement des espaces publics verts, mais différents types d'espaces publics qui se créent par des mouvements inattendus des gens. Est-ce que ces espaces publics peuvent jouer un rôle dans la reconnexion de cette ville ou la réconciliation des différents parts de la ville? Marlène, allez, à toi l'honneur. À toi l'honneur. L'espace du Botellon, par exemple. Mais l'espace public est l'expression à la fois politique et sociale. Donc, c'est pas une question physique de la ville. C'est pas une question physique. On peut pas l'aborder sous sa morphologie. On peut pas l'aborder. On peut l'aborder que du point de vue de ce que symbolise l'espace public. Donc, dire que s'il y a une appropriation par les habitants, une expression d'espace public qui se fait de façon spontanée ou pas, va contribuer en reconnectant plusieurs espaces publics à construire quelque chose, ça dépend des dynamiques sociales qu'il y a dans chaque espace public. C'est plutôt cela qu'une réponse urbanistique pure. C'est plutôt Mais c'est intéressant de voir quel type d'espace public il s'approprie. Ça, c'est un sujet intéressant pour voir pourquoi ça, cet espace public et pas l'autre. Et ça c'est intéressant. Voilà. Pourquoi ils ont choisi ça? Parce que finalement, comme disait Marlène, c'est-à-dire que il y a une représentation. Donc ça veut dire que il y a quelque chose. Vous savez, par exemple, quand
quand les Tunisiens ont repris les espaces publics, apparemment le président aimait la couleur pourpre ou rose ou je sais pas, ils ont dessiné, ils ont mis des couleurs jaunes partout. C'est-à-dire que c'est aussi symbolique. C'est-à-dire que et c'est intéressant de voir la morphologie parce que c'est aussi physique l'espace public. C'est-à-dire que une place quand elle est surdimensionnée ou elle marche pas ou elle marche, c'est-à-dire que c'est aussi physique. Les architectes, les urbanistes fascistes, si vous voulez, ils écrasaient, c'est-à-dire que c'est une façon, le physique écrase, peut aussi écraser les gens, peut dire voilà l'État est là, et c'est intéressant comme question, en tout cas pour voir qu'est-ce que c'est quoi ces espaces, pourquoi ils vont vers ces espaces, une dernière question et puis après on bouclera la conversation. Non, vous parlez avec un micro parce que c'est enregistré. Ne pensez-vous pas qu'un espace public beau, bien entretenu, attirerait beaucoup les gens et les mènerait vers le haut? Je vous donne un exemple, Sanaïa. Bon, moi, je me rappelle de Sanaïa où je n'entrais jamais. Bon, quand je vais au Liban, je vais à Sanaïa, je vois beaucoup de gens à Sanaïa. Il y a des fleurs, il y a de belles choses. Les gens viennent, ils aiment les belles choses. Mais il faut qu'on leur donne cette possibilité. S'habituer à la laideur, non. Même si ça attire les touristes, je m'en fous. Ce qu'il nous faut, c'est... Oui. C'est vrai, c'est pour nous le Liban, c'est pas pour les autres d'abord. Et nous... On voudrait, comme dans nos maisons à l'intérieur, nous sommes propres, c'est magnifique les maisons libanaises. Mais pourquoi pas la voie publique? Pourquoi pas? Et il faut commencer par ça. Mais vous savez qu'il y a un grand parc à Beyrouth qui s'appelle le Bois des Pins, oui, qui a été reconstruit depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, le maire maintient fermé et interdit aux gens de rentrer. Et c'est ça le scandale. Ah, on peut rentrer avec un passeport français, ça c'est intéressant comme notion d'espace public. Hein. Non, même l'université américaine, qui est américaine. Ben moi je vais me promener à l'université américaine, parce que les jardins sont beaux, parce que les bâtiments sont bien entretenus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça ce qu'on veut. Mais les Libanais pauvres et riches viennent aussi là. Bon, il faut faire attention, il faut les empêcher de mettre de la laideur, de jeter leur nourriture par terre. Mais tout ça, ça s'apprend. Ah, il y a... Oui, la personne derrière vous, et je crois qu'après, on va devoir s'arrêter. Bon, donc si c'est la dernière, j'espère qu'elle sera intéressante. Oui. Mais non, du coup, on parle beaucoup d'imaginaire, de rencontres, de lieux de négociation. Et du coup, moi, ça me rappelle en fait la place du piéton. Enfin, je me demandais ce que vous pensiez de la place du piéton à Beyrouth, de la marche qu'on peut y faire et au cours de laquelle on peut un petit peu rêver justement, parce que c'est pas tellement en voiture qu'on fait des rencontres en fait. Voilà. Le piéton à Beyrouth. Architecte urbaniste répondre au piéton. Non mais. Non mais qu'est-ce que vous voulez, c'est-à-dire. Non, c'est pas ça justement. Acheter une voiture automatique avec. Non mais justement, en fait, on peut marcher, mais on se trouve bizarre un peu. Oui, c'est-à-dire oui. Je... Oui, c'est un problème. Bien, je crois qu'on peut clore la conversation. On peut clore la conversation sur cette idée du piéton à Beyrouth. Et je crois que Sandrine va annoncer la prochaine conversation. Merci pour cette belle soirée. Merci à tous. Et puis rendez-vous, le dernier rendez-vous de la saison, le 21 mai, autour du sujet Le patrimoine monumental, à partir du livre de Jean-Yves Andrieux et Fabienne Chevalier. Voilà, rendez-vous 21 mai avec Benjamin Mouton et Alexandre Gadi. Merci à vous. Merci, au revoir.